Non mais en gros, je vous explique, ça m'était jamais arrivé. En fait, en ce moment, l'anglais, ça hante ma vie parce que ça fait 2 semaines que j'ai commencé les cours avec Babel. Et parce qu'en fait, je veux vraiment m'améliorer en anglais. J'en ai marre. J'ai des potes à moi qui sont pas français. Et bon, bien évidemment, j'arrive très bien à me faire comprendre et tout. Il n'y a aucun problème. Mais je manque de vocabulaire et je trouve que ça me bloque. Et je suis sur un nouveau projet aussi où je vais devoir potentiellement communiquer en anglais avec les gens avec qui je vais bosser. J'ai besoin vraiment de m'améliorer et moi à l'école, j'y arrivais pas du tout. En fait, les méthodes de l'école, j'y arrivais pas. De manière générale, c'était pas ludique. Et du coup, là, ça fait un moment que je bosse avec l'application Babel. Et aussi, je regarde mes séries en VO avant de dormir. Cette nuit, j'ai rêvé en anglais, c'est bon. J'ai rêvé d'une pote à moi qui est pas française. J'ai rêvé en anglais. Bon, je faisais grave de fautes. Toute la nuit, j'ai fait des fautes. J'ai galéré à rêver. M'était jamais arrivé, je me suis creusé les méninges, je me suis réveillée ce matin avec une migraine, laisse tomber. Moi, ma routine le matin en ce moment, c'est parce que je savais que j'allais collaborer avec Babel. J'avais accepté, mais je voulais quand même tester. Parce que je sais pas si vous avez capté, je fais beaucoup moins de placements. Je teste vraiment tout pendant longtemps pour vraiment vous faire le feedback le plus objectif possible. Ma passion sur Terre, genre vraiment, je vous promets que je me suis améliorée, genre je le sens, parce que je manquais de vocabulaire et c'est ludique en fait, c'est une manière ludique d'apprendre les langues, donc il n'y a pas que l'anglais, hein. Il y a toutes les langues quasiment, vous pouvez apprendre plein de langues, et genre c'est comme un jeu, et du coup bah, ça rentre trop bien dans la tête, genre le matin je suis trop contente de jouer à mon jeu, entre guillemets, mais c'est un jeu intéressant, quoi, parce que normalement j'aime pas les jeux, mais c'est une manière super ludique, je vais vous montrer, mais c'est trop bien, et du coup vous pouvez apprendre plein de langues. Et bah, clairement, ceux qui n'ont pas les moyens de prendre des cours particuliers, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Regardez, en fait, c'est trop bien. Là là, j'adore ce jeu. J'adore. Et en fait, c'est hyper intuitif parce que votre cerveau, il fait direct des corrélations. Vous avez les images, les trucs. C'est hyper bien fait. Pardon, je viens de me réveiller. Relier les éléments entre eux. Okay. At first. Ah bon? Then. Parce qu'en plus, j'ai du mal sur les mots comme ça. Yes! Next. J'aime trop! C'est mon jeu préféré. Youhou! Regardez combien j'ai eu! Next. Hop! Et là, en fait, après, vous avez les corrections. Donc ça, c'est super sympa. Finally. Yeah.